Salut, salut les amis, c'est Fit for Fun, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo défi création d'équipe DCE Fondation avec l'hybride Ligue et Pays, le dernier des fondations à faire, celui les quatre principaux en tout cas, super important quand vous commencez FIFA, c'est les quatre que j'ai fait juste à l'instant. Voilà, vous avez eu la base Ligue et Pays, l'hybride pays, l'hybride ligue et maintenant l'hybride ligue et pays. On va commencer par le challenger, 5600 crédits. Pour ce défi là, il fallait deux pays exactement, trois championnats exactement, six joueurs de même pays maximum, six joueurs de même championnat maximum, que des joueurs hors un collectif à 100. Donc j'ai un joueur paquet, deux joueurs paquet, trois joueurs paquet, mais ne vous inquiétez pas, dans les 5600, ils ont été comptés, ils coûtent 400, 450 crédits chacun. Et vous n'avez pas besoin des joueurs paquets pour le faire. C'est juste que je les ai achetés, je me suis aperçu après que je les avais dans mon club. Donc tant qu'à faire, je les ai utilisés. En plus, ils ne sont pas vendables. Donc voilà, tout simplement. Mais ne vous inquiétez pas, ça passe crème. Allez, on commence les amis avec Fraser, Forster, Mati, Cash, James, Tompkins, Anaïs, Arbia, Alberto Moreno, Ruben, Loftus, Chick, Josh, Brownhill, Père Ponce, moi, Gomez, Ashley Barnes et on termine avec Roberto Soldado. Bien sûr, à la place du défenseur central, là vous pouvez mettre n'importe quel défenseur central qui joue en Angleterre et qui est anglais. Pareil pour le MD. Voilà, ça gardez-le parce que les joueurs, les deux joueurs du même club, c'est important. Pareil ici, c'est super important. Après, honnêtement, défenseur central espagnol, il en faut un qui ne joue ni en Angleterre ni en Espagne. Donc lui, il joue en Espagne 2. C'est nickel. On soumet l'équipe. Pack joueur rare mélangé. On ouvrira ça tout à l'heure. On passe maintenant au deuxième défi avancé. Donc les amis, pour ce défi-là, il fallait 3 joueurs de même pays exactement. 5 joueurs de même championnat exactement. 5 joueurs de même pays maximum. 5 joueurs dans le même championnat maximum, une note générale à 79, un collectif à 100. Donc les amis, vous faites le triangle anglais, il faut 2 joueurs du même club. Pareil pour le triangle espagnol, il faut les 2 joueurs, le MD, le DD du même club. Et après, vous voyez, j'ai fait ça avec 5 Italiens. Dans la vidéo où j'avais fait bien débuter sur FUT, où j'avais fait l'hybride Ligue et Pays, j'avais fait ça avec des Français. J'avais fait ça avec des Espagnols ici et des Portugais ici. Donc vous voyez, c'est faisable avec n'importe quel... Enfin, il y a quand même pas mal de possibilités. Donc en gros, vous, les 5 Italiens, il vous faut les mettre dans 3 championnats différents. Voilà. Donc lui, il joue en Espagne 1, en Italie 2. Les 3 de là jouent en Italie 1. Et lui, il joue en Turquie. Donc on est bon. Donc ce défi-là, 7900 crédits environ. On commence, les amis, avec Luigi Cepé, Hugo Malo, Alessandro Bastoni, Alessio Romagnoli, Ryan Bertrand, Bress Mendez, Johan Jordan, Rolando, Mandragora, mais vous pouvez mettre n'importe quel MC italien qui joue en Italie, James Milner, Harvey Barnes, et on termine avec Super Mario Balotelli. On soumet l'équipe, on récupère un pack joueur premium or et on passe maintenant au troisième et avant-dernier défi, Diabolique. Donc pour ce défi-là, les amis, il fallait 6 pays exactement, 6 championnats exactement, 3 joueurs d'un même pays maximum, 3 joueurs d'un même championnat maximum, une note générale à 81, un collectif à 90. Donc je suis à 94, j'ai un joueur paquet, donc vous serez à 93, ça passe crème. Donc que dire, un triangle avec 3 joueurs du même club, un autre triangle avec 3 autres joueurs d'un même club, vous voyez, mais avec plein de nationalités différentes. Hein. Et après, là en fait, vous faites le triangle avec la même nationalité mais dans 3 championnats différents. Le DD ou le DG, il faut qu'il soit du même club mais pas de la même nationalité que le DC, vous voyez, pour avoir le lien vert. Et de l'autre côté, donc soit le DG, soit le DD, n'importe, il faut qu'il ait... la même nationalité que votre MOC mais dans un autre championnat, par exemple là Rabiot qui est en Italie avec Hernandez qui est en Allemagne, tout simplement.
Donc les amis, je me rappelle plus avec quoi j'avais fait la vidéo bien débutée sur FUT. Je me rappelle plus exactement, je crois que j'avais fait Wellvest d'un côté, j'avais fait Munchen Gladbach de l'autre. Et après j'avais fait un portugais ici avec le lien avec le Moutinho, si mes souvenirs sont bons. Et après je crois que j'avais fait avec trois Français ici. Trois Français différents. Et lui c'était le joueur de Bologne, j'avais pris le défenseur droit de Bologne. Bon, enfin bref. Tout simplement pour vous dire que il y a là aussi pas mal de choses à faire. 9500 crédits pour ce défi là. On commence avec Simon Mignolet. Kiko Femenia, Christian Cabasele, Thomas Vermaelen, Lucas Hernandez, Leandro Paredes, Arthur, Julian Draxler, Adrien Rabiot, Mauro Icardi et Alvaro Morata. Pour info, vous pouvez mettre aussi Herrera à la place de Paredes, ça fonctionne. Donc voilà, on soumet l'équipe et on passe. Hop. Et on passe au quatrième défi. Donc les amis, pour le maître puzzle, si vous avez, enfin voilà, moi je vous conseille de regarder la première vidéo que j'avais fait. Donc c'est le chapitre 4, si mes souvenirs sont bons, où on avait besoin que de 9 joueurs paquets. Là, je l'ai fait avec 10 joueurs paquets. Donc c'est vous qui voyez. Je vais juste mettre, il faut que lui j'aille acheter un Romagnoli. Hop. Ce que j'avais mis dans le défi de tout à l'heure. Il a augmenté ou quoi? Ok, donc voilà. Donc en gros, vous serez à 80... C'est que j'ai pas de conneries. 75 de collectif. Vous faites 10 matchs avec 10 joueurs de ces 11 là et vous serez à 85. Donc les amis, ce défi là coûte environ 10 500 crédits. Voilà, pas grand chose à dire, il fallait 9 pays exactement, 7 championnats exactement, 3 joueurs de même club maximum, une note générale à 82, un collectif à 85. Donc voilà, une note à 82, ben forcément on prend des grosses notes, 83, 82, 84. Simplement. Allez, on commence les amis avec Gianluigi Buffon, Mehdi Benassia, mais vous pouvez mettre n'importe quel défenseur central à 81 de général qui ne joue pas dans un des championnats qu'on a déjà utilisé. Alessio Romagnoli, Martin Hinteregger, Gareth Bale, Julian Weigel, Pizzi, Philippe Kostic, Marco Asensio, Haris Seferovic et on termine avec Dusan Tadic. On soumet l'équipe, on récupère notre pack méga rare, on récupère également un maillot et 13 000 crédits. Si mes souvenirs sont bons, c'est ça, le maillot et 13 000 crédits. On s'en fout un peu. Voilà, il y a pas mal de maillots en tout cas. Voilà les amis, donc c'est terminé. On va pour les défi fondation, on va aller ouvrir nos 4 packs, pack joueur premium or, pack méga rare et pack joueur rare mélangé. On va commencer par celui-là, pack joueur premium or. J'espère qu'on aura un petit peu de plus de réussite. On a Alisson Becker de Liverpool, bon, c'est cool, c'est déjà une bonne note. Derrière on a du Renato Sanchez, les amis, Renato Sanchez, voilà, vous avez compris. Hop. À 27 000 crédits, lui ça doit être à peu près pareil, je pense. Ouais, tout même plus. On est sur du 40 000 crédits, on va le garder parce qu'il risque de partir. Lui c'est du 3004, je crois. 3005, ouais, donc franchement on s'est gavé rien que là. On a remboursé le défi en tout parce que 10 005, on est à 20 000, on est à 32 000, 33 000 à peu près. Oui, donc Renato Sanchez déjà 27 000 et lui déjà 34 000, donc lui c'est réglé. On va tout envoyer au club parce que j'aurai jamais assez de place. Voilà, et il est déjà parti Renato Sanchez. Pack joueur rare mélangé. C'est parti. Là par contre on n'a rien. Pas d'animation. C'est Paco Alcacer.
pas terrible. Derrière, on a Nacho, Antonio, Kondogbia. Ouais, pas terrible. Allez, on continue, les amis. Le pack méga. Si on pouvait choper quelque chose de sympa, ce serait cool. Allez, on a qui? Oh, Lukaku de Chelsea. 88. Donc, je sais pas combien il coûte, mais bon, c'est déjà pas mal. Derrière, on a l'anglais, Semedo. Lukaku, c'est du... Ouais, c'est du 50 000 apparemment. Ouais. Petit transfert de crédit, les amis, je ne vous le conseille pas. Mais ouais, 50 000 crédits environ. C'est plutôt cool. Allez, on envoie ça au club. Martial en doublon, ok. Et on termine avec le meilleur, le pack méga rare cette fois-ci. C'est parti. Allez, si on pouvait avoir un gros joueur, ce serait sympa. On a qui? C'est qui? Kingsley Coman, 86. Ah, il a 86 Coman quand même. Je sais pas ce que, je ne sais pas ce que ça vaut. Pareil, dans les 40 000 à peu près. Ok. Piqué, bon, ça, on avait piqué, ça pour rien. Voilà. Bon, eh ben, ça va. Franchement, ça va. On va pas se plaindre. On a fait rien que sur ce défi-là, on est pas loin. Ouais, je pense qu'on est, aux 100 000 crédits faciles. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager, ça fait toujours plaisir. Je vous informe que demain, il y aura la sortie du chapitre 5 de Comment bien débuter FUT, où je vais vous présenter les différentes techs d'achat-revente à faire. Je vous donnerai des exemples, mais pour ça, il faut que je remplisse ma liste. Là, je ne l'ai pas fait aujourd'hui. Je pensais la sortir aujourd'hui, cette vidéo, mais je vous la sortirai demain. J'essaierai de la sortir dans la journée, sinon dans la soirée. Il n'y a pas de souci. Voilà les amis, à très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao et encore et toujours. Merci pour tout. Ciao.